Alors si j'ai choisi cette formation aussi, c'est parce que j'ai un ami qui s'est inscrit à la formation aménagement intérieur et qui m'a dit comme quoi il y avait des places. Et moi ça m'a tout de suite intéressé. J'ai été au COF m'inscrire et j'ai eu tout de suite une place. On m'a donné des vêtements, on m'a donné tout. Puis on a commencé direct la formation. On nous a expliqué ce qu'il allait avoir dans cette formation aussi. Il va y avoir de la maçonnerie, de la menuiserie et de l'électricité. On m'a dit comme quoi j'allais apprendre les trois en 18 mois, donc j'ai accepté. Alors les formateurs m'ont apporté beaucoup, donc, dont en électricité et en menuiserie que je ne connaissais pas du tout. La maçonnerie, j'ai eu un patron avant, donc je connaissais un peu la maçonnerie, mais j'ai appris encore beaucoup sur la maçonnerie. La menuiserie, j'ai appris beaucoup. D'ailleurs, on a fait des châssis de fenêtres, on a fait des portes, on a fait du parquet, nous avons fait des cloisons. En électricité, j'ai appris notamment beaucoup de choses, comme refaire un boîtier, mettre des prises, les mettre droit avec un tube. J'ai appris les différents câbles. En maçonnerie, j'ai appris des nouvelles techniques. Je pensais avoir une bonne technique, mais qu'on m'a donné plus facile avec une autre technique. Et franchement, je suis bien content des formateurs et en 18 mois, ils ont fait leur travail. Alors la formation, elle a un peu changé ma vie parce que c'est vrai qu'avant que je suis arrivé ici, j'étais fort nerveux et que les formateurs m'ont aidé à me calmer et à rester calme dans ce que je faisais. Notamment André qui m'a fortement aidé, question nervosité aussi. Pour mettre quelque chose, j'étais un peu trop brusque dans mes gestes et il m'a dit qu'il fallait être calme, qu'il fallait prendre une pause si ça n'allait pas et que je recommencerai. Et voilà, j'ai eu pareil en maçonnerie, j'étais trop nerveux aussi. Puis on m'a calmé, puis ça a été mieux. Et franchement, l'électricité, c'est un truc, c'est des petits câbles. Donc c'est vrai que c'est chiant à mettre dans des prises, mais voilà, ça m'a calmé aussi. Et quand on est tout seul à faire quelque chose, on est 10 fois plus calme que quand il y a quelqu'un qui est derrière vous et qui vous booste et qui vous dit « allez, plus vite, plus vite ». Donc eux, ils nous ont calmés dans ça et franchement, je suis très content et je me sens capable maintenant d'aller trouver un emploi. Je suis un stagiaire au coffre.